Message from General Pepper. Priority 1. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lylat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rétro, encore une fois, décidément il y en a plein, il y en a partout, en ce moment il y en a plein, grosse période rétro en ce moment, sur Nintendo 64 toujours, un jeu de 1997, pardon, Lylat Wars, oui tout simplement, un excellent jeu aussi, pour le lol, quand tu vois la qualité de cette intro, c'était totalement incroyable. La qualité de cette intro, ces bruitages dans les menus, cette petite musique du menu. Toute calme et tout. Que c'était beau. Je vais baisser un peu le... la musique. Non, ça va. Et voilà. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, on va partir en jeu. On va partir en jeu. Et on va se faire un petit peu le début. Corneria, fourth planet of the Lylat system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pigma Dengar, and Peppy Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pigma betrayed the team, and James and Peppy were captured by Andross. Peppy barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andross has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lylat system once again. Quelle introduction! Le système solaire de Lylat. Ah oui, ça c'était bien aussi. Les possibilités du jeu. Là, on voit tous les niveaux qu'on a disponibles jusqu'au Venom qui est tout au bout. Et en fait, voilà, c'est vrai qu'en plus on peut faire tourner la carte. Et puis on pouvait choisir son chemin. Soit, par exemple, à partir d'ici, si on... Je sais comment ça marche déjà. Je crois que c'est en prenant certains embranchements du niveau. Soit tu allais sur la planète du côté, soit tu allais du côté des astéroïdes. Après des astéroïdes, tu avais soit la petite planète au milieu, puis la petite planète bleue qui est un peu plus en bas. Ensuite, tu changeais comme ça de planète. Ça te fait plein de possibilités différentes. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Je ne sais pas si on pourra. Non, je pense pas qu'on puisse faire un run complet. Ancienne base militaire. Good luck, le petit good luck. C'était trop stylé. J'espère que ça se joue encore bien. Ces musiques, on sent un petit peu l'inspiration typée Zelda aussi. Hein. C'était l'époque de ce genre d'accords musicaux. Là. Ça c'est cool. T'as la même tête qui bouge et tout. C'était quand même vachement bien fait quoi, merde. Merde. 97 les gars, 20 ans. 20 ans. Nintendo il savait faire des putains de jeux quand même. Hein. Et là on commence, on est Fox, un peu tiré avec A. Ouais, ça a l'air de bien se jouer encore. Ça a l'air de plutôt bien se jouer. Slippy, get back here. Slippy, watch out. Bogey on your tail. Là tu pouvais décider de... Là, tu pouvais décider de sauver les gens ou pas sauver les gens. En fait, ça a influencé totalement sur le reste, quoi. We're entering Corneria City now. This is horrible. Il y a des petits trucs à récupérer aussi, comme ça, des bombes. Que plein de petits trucs facultatifs à récupérer quoi. Ah ouais, on peut faire ça aussi. Ça c'est stylé ça. Comment on fait pour baisser les bombes? Ah oui, t'avais la vue à l'intérieur, c'est vrai. C'est le C vers la gauche pour utiliser un espèce de... Tiens, j'ai jamais trop joué d'ailleurs dans cette vue. Ouais, sauf que c'est pas... I guess I should be thankful. Ouais. J'ai récupéré le truc, mais... J'ai perdu du skill, j'ai perdu du skill. Soyez un peu indulgents. Pour récupérer des bonus, vous voyez que je... En récupérant les petits bonus, j'arrive à tirer plus vite, ce genre de choses. Putain, y a plein de trucs, c'est trop cool. Mode de combat ciblé, là on va avoir un petit boss. Ah, so this is Star Fox. I'm going to crush you. J'ai une petite stamina sur le côté. Le boss s'est cassé la gueule. Aim for his back. No. Je lui pète les jambes. You annoying little flies. I will not be defeated by this worm. Ouais. Faire le petit. You annoying. My emperor, I failed you. Voilà pour le premier boss. Ça se joue quand même bien, hein, quoi. Putain. Le gameplay est encore sympa. We're heading out. All aircraft report. You did it. I was worried for a moment. J'ai douté de toi, le mec sympa, tu sais. You're becoming more like your father. Lui, il a pris cher quand même. On voit sa vie au-dessus de sa tête. I'm fine. You okay over there, Fox? Santé de l'équipe, vous voyez que la santé remonte. Il faut faire attention à ça parce qu'ils peuvent mourir. Je crois qu'ils meurent, mais je crois qu'ils se font capturer, un truc comme ça. Et après, on peut choisir où est-ce qu'on va. Une petite médaille, non, un truc comme ça. Je sais plus. Voilà, voilà. Là, j'ai pas le choix. Parce qu'en fait... J'ai pas le choix parce que voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour aller au niveau où c'est vert là. Vous voyez là? J'ai pas fait ce qu'il fallait pour aller à ce niveau là. Là normalement je crois que ça, l'embranchement vers le bas c'est le plus facile. C'est la façon la plus facile de finir le jeu. Je crois, hein, de mémoire. Un petit champ d'astéroïdes. Impressive Star Fox. Now watch out for enemies in the asteroid field. I won't let you down, sir. Le petit good luck qui fait plaisir. C'est assez stylé quand même, hein. Ça envoie du pâté. Quit dinking around, Flip. We're heading into the asteroid. Mission 2. Il y a toujours la vie intérieure. Bon, on va rester en vie intérieure, ça joue très, extérieure, ça joue très bien en extérieur. On peut péter les astéroïdes là aussi. Quand on laisse appuyer, voilà, on peut chercher une espèce de super pouvoir. Et il va y avoir des ennemis. J'ai raté ma bombe. Ça me fait monter la vie en fait, ça, quand je prends les 3 cristaux. J'ai pas tué beaucoup d'ennemis là. J'ai failli me prendre le truc, j'ai pris mes caméras à l'intérieur. Il y a un super truc, je sais plus qu'est-ce que c'est. Une petite caisse cadeau. Ça te redonne de la vie, ça, ouais. Lui, ouais, c'est possible qu'il meure. Ça va. C'était chaud, là. Il a failli mourir. On peut taper ses alliés, aussi. J'ai récupéré le monde. The enemy is coming from behind. Faire des tonneaux. Ça peut dévier les tirs. Aussi. Et c'est un jeu assez varié en plus, parce que là on a un gameplay principalement sur de... sur de l'avion, mais enfin sur du vaisseau plutôt. Et après on a un gameplay terrestre aussi, avec un espèce de char. Un checkpoint. Je frappe mes propres alliés, tu vois, parce que moi, je suis un mec sympa. Moi. De la vie, ouais, c'est pas trop. Oh. Hey Einstein, I'm on your side. Hold A to charge your laser. You can also lock on the enemies this way. Ça, je sais plus qu'est-ce que ça donne. Never give up. Trust your instinct. All right. Just shoot it, Fox. Je fais un peu n'importe quoi là. Allez, un deuxième truc doré. Si je peux en choper un troisième. J'ai du mal à les tirer, les shooter ces trucs là. Je manque de skill, je manque totalement de skill. Toujours un boss. À la fin de chaque niveau, plus ou moins grand. Let's see what you've got. That shield is absorbing the laser. Good going, Fox. You're more cunning than I thought. Ah putain, j'ai raté. Oh. I've underestimated you. Après, il y a des boss qui sont super stylés. On évite quand même assez facilement. Ouais, je lui fais perdre son point faible. Ah oui. Are you gonna listen to that monkey? You're not as stupid as you look. C'est musique de l'Epic NES. Ah, j'ai pris cher. Et je l'ai eu. I can't believe I lost to this scum. Sorry to jet. But I'm in a hurry. Et voilà, on a battu le deuxième boss. Pas forcément très facilement, mais on a sûrement les potes qui sont très mal barrés, mais... fine, I'm fine. I saw my life flash before my eyes. Oui, c'est vrai qu'il a deux doigts de mourir. You worry about your own hide. Santé de l'équipe qui remonte un petit peu. On a gagné une petite vie. Pour l'instant, on a réussi à maintenir en vie tout le monde, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Moi, je sais qu'il y a moyen du coup d'avoir plusieurs embranchements dans l'émission, mais je ne me souviens plus exactement comment on fait. Voilà, c'est le côté le plus... par le bas, c'est le côté le plus facile. Après, on aura quand même potentiellement un choix, soit on passe par la salle du milieu, ou soit on passe par le petit bleu qui est là. Et en bas, ça vous montre en fait le score que vous avez fait, et qui c'est qui a survécu en fait. Là, en fait, sur les deux premiers niveaux, j'ai tout le monde qui a survécu. Fortuna. Recover our base from the enemy army. Roger, General. L'objectif est assez simple. Entrée de Star Wolf, nos ennemis. À ce niveau, il est assez stylé, ce niveau. Ce niveau est assez stylé, il est plutôt simple de prime abord, enfin plutôt simple. You're dead meat, pal. You're not getting away that easy. Take care of the guy behind me, Fox. Shoot, he's right behind you. SOS. There's one down. You're dead meat, pal. J'ai raté. You're mine. Ouh, j'ai failli tirer sur un pote. J'ai tiré sur un... Je lui ai piqué son frag, il est pas content. On a gagné un petit peu de vie. Andross has ordered us to take you down. L'équipe ennemie. Long time no see. Andross's enemy is my enemy. Just what I need to see. Star Wolf. Let's take care of this guy first. J'en ai un là. I'll do you fast, Peppy, old pal. That was too close. I'm not afraid of you, Uncle Andross. Je l'ai foutu par terre. On en a battu un. I am the great Leon. That reward's as good as mine. Et là, il faut réussir à détruire l'autre équipe. C'est vrai que c'est un qui me chasse. J'en ai trois qui me chassent. Location confirmed. Sending supplies. Je les ai derrière. Est-ce que je peux m'échapper un petit peu? Ouais. Falco me demande de l'aide. Putain, merde. Putain, j'en ai deux qui me chassent. J'en ai buté un. Une fois qu'il en reste plus qu'un, tout de suite ça va mieux. Un ou deux. Danger. 1 minute to explosion. Let's take care of these guys first. Shoot me down if you can. Le salaud! Je l'ai eu. Mais je l'ai eu, il en reste plus qu'un. Il est là. Je l'ai eu. Et après on va s'occuper de la bombe. Puisque tout va péter. C'est un petit niveau sympa ça. Du coup on réussit à sauver la planète. Mission accomplie. All aircraft report. Hey, we made it. Heavy ship is in the docking bay. Ouais, vous voyez, hop. That was a close call, Fox. Il est mort, Peppy. Il est mort. Voilà, HS. On a gagné encore une vie. Et vous verrez que dans l'écran de fin, on va voir que on a fait la mission, mais Peppy n'a pas survécu. Est-ce qu'on aura le temps de finir le jeu? Je ne sais pas. Peut-être, hein. Ah là, vous voyez, on a fait mission accomplie. Alors, je ne sais plus quel critère c'est. Vous voyez qu'on est parti du bleu, des lignes bleues, tu vois. On passe sur une ligne jaune, parce que ça nous change un petit peu la façon dont on va faire la suite du niveau. Donc là, on fait un niveau. Là, normalement, on serait continué sur le bleu. On serait parti sur la petite étoile bleue. Enfin, l'espèce de grosse machin bleu, là. Qui est un peu plus à gauche, là. On serait passé par là. Mais du coup... Changer de parcours. Recommencer. Perdre un Darwing. Aller au parcours suivant. On va continuer par là. Solar. That area's an oven. Don't go burning that R-wing. Be reasonable, Fox. I'll be careful. Donc on va passer par Solar. La poêle à frire. Ouais, je crois me souvenir de ce niveau. Keep an eye on your shield gauge. Sur Solar. On perd de la vie tout le temps. Vous voyez que je perds tout le temps de la vie. Ouah, putain. J'essaie d'esquiver les boules de feu. Ça me rend, heureusement, ça redonne un petit peu de la vie. Ouais. Des ennemis. Encore un truc doré. Des petites bombes. Location confirmed. Sending supplies. On va filer des munitions. Le petit checkpoint. Le checkpoint. Voilà, on a perdu Falco. Merde, je crois que je lui ai foutu un petit coup de... Un petit coup dans la gueule. Ça va, je vais pouvoir... Je crois qu'ils sont out pendant une mission, je crois, si je me souviens bien. C'est-à-dire que dans la prochaine mission, on récupérera Peppy. Ouah, 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 ouah. C'est pas un niveau évident, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis, mais en fait, il faut éviter la nature. Il faut tout simplement éviter la nature. Location confirmed. Sending supplies. Putain, la vue intérieure, elle est trop chelou. Je comprends pourquoi je l'avais pas trop utilisée. Il y a quand même de la rejouabilité sur le jeu parce que voilà, ben on peut... On peut quand même voilà, se refaire le jeu et ça fera... on peut avoir des niveaux différents. Le boss. Data analysis complete. Here it comes. Je suis besoin de mourir. Le boss qui a une sacrée sale gueule. Wouah. Merde. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Je vais mourir. Ouais. Je suis mort. No, je sais plus si on recommence tout le niveau ou le boss, je me souviens pas. Tout le niveau. Ah non, jusqu'au dernier checkpoint. Jusqu'au dernier checkpoint, j'ai ma vie réinitialisée. Et mes pouvoirs initialisés aussi. J'utilise pas assez les bombes aussi. Waouh, et je vise pas assez bien aussi. Location confirmed. Sending supplies. Ça va, je peux grandir ma vie grâce à ça. Ah putain, je perds trop de vie, je perds trop de vie. J'ai perdu beaucoup de vie, hein. Ouais. Le petit freinage. Là ça va, j'ai pas trop mal géré ça. Ça va, j'ai récupéré pas mal de vie. Je lui fais perdre un bras. Je récupère un peu de vie. C'est tendu quand même, hein, c'est pas évident. Hein. Franchement, ça a pas perdu de son charme. Hein. J'ai récupéré un anneau étoile qui m'a sûrement redonné toute ma vie. Ah, ça va, je suis plutôt bien pour le moment. On maîtrise. Le boss c'est pas loin du décès. Attention, qu'est-ce qu'il va nous sortir comme attaque? Ouah, ça fait mal. Il a deux doigts de mourir, merde, j'ai pris quand même l'attaque. Attention, ne pas mourir, ce serait très fréquent. C'est bon. Ouf. On n'est pas très loin. On n'était pas très très loin du décès. Et il est mort. C'est pas évident là. Mission accomplie. All aircraft report. I'm having some trouble here. Repairs complete on Peppy ship. Voilà, donc on aura Peppy sur la prochaine mission. Et Falco, lui, on l'aura dans la mission d'après. Bien sûr, on gagne des bonus quand on n'a pas les membres de l'équipe qui meurent. Ah là là, tous ces souvenirs. J'ai passé des heures aussi sur ce jeu. C'est incroyable. Et là, on arrive sur... Allez, ben on va tout faire, même si on a presque 40 minutes de vidéo. C'est pas grave, hein? On voudrait pas. Dépôt de munitions ennemies. Le train éternel, le train syndical. On n'est pas en char d'assaut sur cette mission? Si, on est en char. On a pareil les mêmes trucs, hein. Il peut faire des pas de côté le char. Il peut envoyer du pâté tout pareil. Je crois qu'on se fait aider par nos potes aussi. C'est des ennemis, ça, ouais. Hop. Comment on fait pour sauter déjà? crois qu'il y a un moyen de voler, mais je ne sais plus comment. Ah oui, on peut faire ça. Hop, hop, hop. Merde, j'ai pris le coup. Ah oui, je crois que c'est... Ah oui, voilà, c'est bon. Je sais trop où. En fait, il faut... Voilà. Il n'est pas évident non plus ce niveau. Alors on avance un peu plus vite. Ouais, c'est en fait c'est les deux côtés comme ça là. Il faut faire les deux en même temps et on peut s'envoler. Là vous voyez qu'il y avait un truc doré là-haut. Merde, merde, à chaque fois je me trompe de combinaison de touches. Merde. Il est un peu long pour monter aussi. Hein. J'ai tout pris en pleine gueule, mais... Oh là 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 là. T'es dans ce niveau? C'est bon celui-là? Je sais plus qu'est-ce qu'il me fait déjà. Ah oui, il fait ça, oui, c'est bon. Ça, c'est un voleur qui m'en manque deux. Ah putain, il me porte, ça c'est vrai. Ah putain. Moi je n'ai aucun skill avec le blindé, hein, ça. Ça c'est une évidence. Ah putain. Chaque fois je me fais avoir. Hein. Alors que c'est facilement esquivable en plus, ça il a fait. Ah putain, il m'a encore chopé ce salaud. Il a fait l'animation alors qu'il a plus de... Il fait toujours sa même attaque, ce Saligo. J'aurais peut-être dû lui enlever la tête en premier. Ça va, je l'ai eu. Mais t'as un assisté de la vie, toi, mon garçon. Ouais, en fait, les trucs que j'ai pas réussi à activer là, c'est à mon avis, si je les active, il faut tirer là-dedans. Là. Ils ont rien à faire, les types, et ils arrivent à tu vois, avoir besoin de toi. Quoi. Oh putain. Oh ce skill. J'essaie d'éviter les bombes. Désolé si je parle pas trop parce que je me concentre quand même pas mal. Hein. Ça requiert de la concentration. Mais on s'amuse quand même toujours autant avec ce putain de jeu. Le gameplay est quand même là et il marche quand même plutôt bien. Je commence peut-être un peu mieux à maîtriser le truc. J'aimerais bien me ressouvenir comment ça marchait. Putain, mais je suis en train de mourir en plus. Je vais mourir quoi. Je fais le con. Je fais le con parce qu'il est un peu long en plus ce boss. C'est bon. Ouf. Bah c'était chaud là. J'étais pas loin de mourir encore une fois. Fin de mission. T'as remarqué qu'il y a soit fin de mission, soit mission accomplie. Là, j'avais pas ouvert les 9 interrupteurs. À parler de Peppy et HS. Ah non, il est là. Ça va, on aura tout le monde pour la prochaine mission. On a gagné une vie. Il nous reste combien de niveaux? Je crois qu'il nous en reste encore un dernier, et puis après c'est la fin. Et après c'est le dernier niveau, donc on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. La petite étoile pour dire qu'on a fini. Et on va vers... Ah, on est repassé du côté facile, vous voyez, on est repassé par une ligne bleue, vous voyez, si on aurait fait tous les interrupteurs sur ce niveau-là, il y a un moment qui nous disait qu'il fallait faire 8 interrupteurs, on aurait fait les 8, on serait sûrement passé de l'autre côté, on aurait eu mission accomplie à la fin, on serait passé de l'autre côté. Donc il y a quand même pas mal de rejouabilité sur le jeu. If you destroy the satellite, we can go straight for Venom. Be careful, Fox. On a tout le monde. I'm on it. On a tout le monde. Poste défensif. La dernière base, enfin l'avant-dernière. Ah oui, 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 je me souviens. Okay, guys, destroy all barriers. Ah oui, 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 je crois me souvenir de ça. sais plus quoi. Il y a le truc qui tourne. On a l'impression de pas avancer. Est-ce que si je tire là-dessus, ça... Your carcass is mine. On a l'impression de pas avancer là, parce que c'est, on est sur un truc qui tourne. Alors... Ouais, je me fais chier à viser tout le temps là, en fait. Those ships are shielded too. Time for a little payback. You are not taking him down today. Allez. On a aidé un peu le pote quand même. Allez, je l'ai eu. Attention, en plus, je crois que c'est Star Wolf qui revient là. Je sais plus combien il en reste maintenant. C'est quand même un jeu excellent encore. Il a encore de grande qualité. On les a pas tous su là? Non putain, il y en a encore. Il y en a encore. C'est bon. Ah, et là, ça, du coup... Merde. C'est tous des assistés, mes collègues. C'est pas possible. J'ai un mec au cul. Merde. Et derrière moi, ce salaud. Ah, il a pris le mur. Il a pris le mur. Je l'ai éliminé en lui faisant prendre le mur. Pour l'instant, ça va, on contrôle. Je me souviens un peu comment on fait pour... Si on fait deux coups par l'arrière pour faire le retourner, je l'ai fait tout à l'heure, mais... Haha, j'ai réussi à l'avoir. Et là on revient dans l'autre sens automatiquement parce qu'on est au bord de la map. Arrêtez bande d'assister là. Location confirmed. Sending supplies. Time for a little payback. Fox, get this guy off me. Ça va, alors j'ai des potes qui en est chez Slippy, tu vois, on voit sur la map qu'il a deux mecs collés à son cul. Et je prends pas mal de dégâts quand même. Hein. J'ai un mec collé au cul. J'ai encore un gars collé au cul. Et je sais que je vais pas tarder à mourir. J'ai pas tardé à mourir, il doit manquer juste... Je vais passer tout droit. Putain, mais tu me fais chier. Il y en a un qui me fait chier là. Moi, personne vient m'aider. Il est là. Moi, personne ne vient m'aider. C'est bon. Oula. Cause de futur. J'ai tué beaucoup d'ennemis. Je sais pas si la mission est totalement accomplie. On n'a pas eu de boss là, tiens. Donc on a un boss après, je ne me souviens plus. Ouais. Mission accomplie. Slippy, il a pris cher encore. Il a pris cher, Slippy. Venom, here we come. Et on arrive vers le dernier niveau. On a mis 1 heure. Alors on est en train de mettre... On est à 1 heure de vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop chiés. Ça vous rappelle de bons souvenirs aussi. Si jamais vous avez connu cette époque. Et sinon, bah, vous aurez qu'à me dire si vous, comment vous trouvez ça. Hein, parce que le gameplay est plutôt sympa encore, hein, franchement. Combat contre Andross. Petite esquive. Merde, il y avait soit l'étoile dorée. Ça tue beaucoup d'ennemis, ça. Hein. Quand on fait le tir chargé. J'avais oublié, tu vois, que ça marchait aussi bien. Je vais tirer dessus à ce pauvre Slippy. Là, je prends à gauche. Je prends à gauche aussi. Je prends toujours à gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bon. Moi aussi je vais à gauche, le mec qui va tout le temps à gauche. Prochain coup, s'il y a un autre prochain coup, je ne sais plus. On ira à droite. Un petit truc doré. Ah oui, il est bizarre comme boss, c'est vrai. Je me souviens qu'il a des pouvoirs, assez fous. Ah, merci, ça fait plaisir. On est là avec nos trois acolytes. Et on va bien voir si je ne pourrais pas te défaire. Ah oui, c'est vrai. Un boss nous y attend. Merde, j'avais pas vu le truc en bas. C'est un robot. C'est un robot. Un robot déguisé en statuette. Je peux lui péter le bras, Attention. Aux statues aussi ici. Je crois que je peux pas lui... Quelle esquive! Quelle la qualité de cette esquive! Il manque plus que sa tête. Oh merde! J'ai raté... Putain, encore une fois j'ai raté le... Et là je peux lui taper dans le dos. Comme un vieux enfoiré. Et il est détruit. Ouhou, plus 10 hits. Parce que c'est en fonction des ennemis qu'on détruit, qu'on a un score. Un petit bug en haut. Bon, c'est pas grave. Et en bas aussi. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Ça vous fait pas penser à quelque chose? Le petit niveau, oh merde, il y a un petit bug en bas. C'est dommage. Tant pis, désolé pour les épileptiques, j'espère que ça sera pas gênant. Allez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, puisqu'on a toute notre vie. Je nous fais en sorte quand même de nous donner les méga boosts. Hein. On peut aussi péter ça, oui, c'est vrai. On n'a pas eu de checkpoint. Je crois qu'on a déjà les bonus maximum. Et il est là. Il est là, le méchant monsieur. Il m'a touché? Ouais, il m'a touché, c'est pas grave. Il fait penser au monsieur, au méchant de Super Smash Bros. Melee. Il m'a avalé, ce con. Il m'a avalé. Ouh. On peut les esquiver, ces attaques, je me souviens un peu. Ouais, on peut les esquiver. Là, c'est vrai, j'ai pas pu esquiver. Putain, j'ai voulu lui envoyer une bombe dans la bouche, je crois que ça marche. Alors là, je vais vite mourir. Je vais vite mourir parce que là, je suis en train de très mal jouer. Parce que j'arrive pas à esquiver ses coups. Là j'arrive mais... Là j'ai pas réussi, pourtant j'ai fait la même chose. Ah voilà, là je lui ai filé la bombe en plein milieu. Ah putain, il va me tuer ce bâtard. J'ai esquivé. Il m'a tué. Il m'a tué cet enfoiré. Bon, c'est pas grave, je voulais voir. Ça fait mal. I've been waiting for you, Star Fox. On va quand même tenter de le faire quand même, on arrive jusqu'à là, bordel. C'est pas pour... C'est pas pour pas réussir, quoi. Mais non, on a encore 6 vies. Je t'assure qu'on peut le faire. Là, je peux pas l'esquiver, ça. La main, le coup de poing, je peux pas l'esquiver, mais... Là, j'ai réussi à lui foutre la bombe dans sa bouche. J'ai fait perdre une main. Il a perdu la main depuis le temps. Bon, il faut pas que j'aille dans son sens, en fait. Hop. Putain, j'ai voulu balancer la bombe. Ça n'a pas marché. Je peux pas l'esquiver en fait. Il louche un peu. Tuer? Non, je crois que c'est un faux espoir. Un peu de vie, s'il vous plaît, ça serait pas trop. On va essayer d'esquiver un peu. Un peu de vie, ça serait pas trop. Ouf. Ouf, je crois que j'ai réussi à l'avoir. J'ai réussi à l'avoir. Vite, on s'enfuit. Bon, la vidéo qui sera quand même assez longue, mais bon, on a fait un run, voilà. Un run jusqu'au bout. On est mort quelques fois. Ça doit bien faire une bonne grosse dizaine d'années que j'ai pas rejoué au jeu, donc mission accomplie. La voix de Dora un peu. On a gagné plein de points. Score général 593. C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas joué au jeu. Et on a terminé le jeu. Voilà. Fox, il nous regarde. Coucou. Ouais, les musiques, elles se font quand même très Ocarina of Time. Hein. Très dans le genre de musique qu'on a dans Zelda. Hein. C'est vraiment le genre. Hein. Bon, voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut passer? Je ne sais plus si on peut passer. On peut passer. Et on revient sur Corneria. Avec cette belle musique de fin aussi. Après, c'est vrai que le jeu en ligne droite, du coup, il est pas très long. C'est ce qu'on se dit. C'est pas faux. C'est pas faux, le jeu finalement est pas très long parce que là en 1h15 on a fait un run, une partie. Mais on peut le faire de plusieurs manières différentes. Et c'est ça qui est cool. Puis bon, pour l'époque ça suffisait hein. Pour l'époque c'était bien sympa déjà. Notre vaisseau qui arrive en triomphe. Chez nos alliés. On est content. On va recevoir une petite médaille. Sur un écran 2D absolument moche. Mais c'est pas grave. On comprend. On comprend qu'ils sont tous au garde à vous. Star Fox, we are in your debt. I would be honored to have you as part of the Cornerian. Oh no, sir. We prefer doing things our own way. Great Fox is ready to go. It's time for us to go now. Il est temps pour nous de partir, comme il dit. Et on a fait notre boulot. Et on repart dans de nouvelles aventures. Toujours plus épique. C'était des bons souvenirs, ça. C'était des bons souvenirs. Je sais pas s'il y a encore autre chose, après je me souviens plus. Bon, en tout cas, c'est pas grave, on va s'arrêter ici pour cette vidéo rétro sur Lylat Wars. La vue sur le Great Fox derrière. Pourquoi vous courez, les gars? Pourquoi vous courez? Voilà. Quel beau jeu aussi, quel beau jeu. Bon, en tout cas, voilà, c'est la... on s'arrête ici pour cette vidéo rétro. J'espère que ça vous aura plu, ce petit run sur le jeu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter aussi. Super Mario Club, Trifilm, Air Force, on n'a pas... Je sais plus s'il y avait un truc après, je me souviens plus. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez... si vous aussi, c'est un jeu qui vous a marqué. Comme moi, voilà. Et là, on part sur... On part avec nos petits vaisseaux. Texte en français. Putain, le mec qui a les textes... qui a fait les textes du jeu, quoi. Dans les crédits officiels à la fin, sur l'image finale où on voit les vaisseaux partir. C'est beau, quoi. Cette musique aussi. On ne s'en lasse pas. 1997, vous imaginez? Nous sommes en 2017. L'audio, ça fait pas mal dans un jeu aussi. Hein. Parce que les... Total des points, top 10. On voit le visage du méchant. Qui s'affiche en 2D assez moche. Et ça le marque, on est dans le top 10 avant. Il me semblait pas avoir été très très bon. On peut mettre un nom. On va se mettre un petit nom. Et là, ça nous marque en bas, voilà, qui a survécu. Sur Solar, on avait que Slippy. Voilà. Et on a fini premier. On a fait le meilleur score hein, des trucs. Ouais, on a fait le meilleur. Ouais, Fox, ouais, voilà, il a fait 100 points sur le premier niveau, puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est pour te dire que, voilà. Pour te dire que, voilà, tu peux faire mieux. Tu peux facilement faire mieux. Bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Facture, paiement pour service rendu. Détruit, somme due. 37 952, oui, veuillez virer ça sur mon compte personnel. Merci. Et on revient sur l'écran principal. Et voilà. Donc on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos rétro. De nouvelles vidéos sur plein d'autres jeux. Merci à vous. À la prochaine. Ciao.